En live, mec. On va faire une ratatouille maison, mon gars. Tatouille maison, mec. Là, les légumes. Voilà. Ça me permet qu'il n'y ait personne là. Ratatouille du cri-cri là. Le cri-cri est mais demain. Oui, ça va, si je mets après, je vais chauffer après. Ça, je peux prendre tata ça? Oui. Oui. Hein? Oui. Tata. Oui. Manger. Oui, manger. Oui. On va pas jeter, hein. On va pas gaspiller. Hein? Ça va, tata? Il y a une huile d'olive. Que dit docteur? Huile d'olive. Docteur, fini, la, tranquille. La. Docteur Nguyen. Nguyen, hein? Docteur Nguyen. Nguyen, hein? Docteur Nguyen. Nguyen, dit toi, hein? Hein? On va voir ce soir, là. Roll, 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 roll.
Petite tête. Moi aussi j'ai dormi moi. Mais j'ai eu du mal à m'endormir, oui. Oh là là, c'est chiant. Hein. Parce que Tata n'a pas fait soupe pour Christophe. On n'a pas fait la soupe Tata. Pour Christophe. On n'a pas fait la soupe pour son neveu. Du coup il reste malade. Tata n'a pas fait soupe pour Christophe. Christophe malade. Malade. C'est bien d'enlever ça là dans la tomate là. Tu vois ça là, il faut l'enlever au niveau de la tomate, tu vois. Tu viens, tu coupes là, il faut l'enlever. Ça pour pas plus de tomate, ça sert à rien. Au contraire, ça gâche tout. On s'en rend pas compte. Le connaisseur s'en rend compte. Une bonne ratatouille avec un poivron jaune là. Magnifique tatouille. Allez, revenez voir tout à l'heure là, la ratatouille que je prépare. Rien que déjà le dire à comment ça s'appelle. Bah.
C'est les fêtes pour l'instant. Ah merde, faut que j'écrase ça moi.
La ratatouille là. On met un petit peu de piment. Voilà, un petit peu de piment. Du gros poivre. On me dit de mettre du sel. Moi, je vais pas mettre du sel. Je vais mettre du nokma. Je ne vais pas mettre du sel. Du sel, c'est fini le sel. On va pas mettre du sel. Maintenant, il faut mettre ça. Ça, c'est la remplace le sel, mon gars. C'est naturel. Enfin, le sel aussi, mais là c'est meilleur. Ça va mettre une petite goutte d'asiatique dans la ratatouille. À l'italienne, ça va être un mix italien-vietnamien. Pas mauvais, c'est pas mauvais. On va rajouter le reste. Hein. On va rajouter les légumes, mec. Alors, on répète, il y a aubergine, poivron, tomate, courgette, avec un peu de coulis de sauce tomate. Avec du gros sel, non, du nokma, avec du gros poivre, ail et oignon, avec bien sûr une bonne petite huile d'olive. Ça change une bonne petite huile d'olive avec. Ouais, quoi. On met tout ça, puis j'ai pris des steaks hachés, bon, là, j'ai pris du charal, quoi, en boîte. Hein. C'est pas du frais, mais bon. Ça reste une certaine qualité, quoi. T'as capté, quoi. Au moins ça c'est bon, c'est pas mauvais. Petite goutte de pain, petite goutte de pain citronné, tu connais. Et voilà, ma cocotte. Yao, c'est en train de chauffer là. Pour la tartouille du turfu, mec. J'ai acheté un truc à essayer. Ça fait deux jours que le soir et le matin, un truc de malade. Du coup, j'ai vu qu'il y avait moyen avec du GCI. Gingembre, citron, miel, mélange, ceci, romarin, thym, laurier. Ça calme sur le coup, mais sur le long terme, ça fait rien, frère.
Mets de l'huile. Tu sais que l'huile, ça reste, même quand tu la laves, c'est long à partir, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que si je bois une cuillère comme ça, bon là je vais mettre une petite, mais avant de t'amener, je prendrai une course comme ça. Je suis sûr que ça va, ça, c'est ça qui est le mieux, qui va calmer un mal de gorge. Là, je peux prendre une grosse, hein, vas-y, c'est bon, je vais pas mourir. Je suis pas si gros, je vais pas grossir avec ça, même si je fais du sport, je fais attention, c'est rien. En tout cas, les bonnes mines. C'est pas la plus chère, mais elle est pas mal. Ah putain, elle pique. Bon, pourquoi elle pique comme ça? Il est très à froid. Pourquoi elle pique? Je comprends pas, moi, c'est du lait qui pique. En fait, comme je suis irrité un peu, au niveau ici, dès qu'elle s'arrive ici, ça me picote un peu. J'espère que ça va passer. Hein. Ça fait presque 5 jours que je suis mal, mais ça fait 2 jours que j'ai mal. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu me soigner. Quand t'es malade, surtout en ce moment avec cette épidémie de merde, moi j'ai mis des phoques. Surtout avec cette épidémie là de merde, je rembobine. Et ben, les gens ils pètent les plombs, dès que tu te secoues, tu vois, bien, ils croient que c'est le Covid et quoi. Mais vas-y, c'est bon, vas-y, rentre ta mère. Hein. Va dormir en dessous de son lit, vas-y, arrête. Lâche-moi. Oui, entre le vaccin, ouais, va te faire vacciner. Quand t'as le Covid, va faire un test. Vas-y, toi, là, rentre dans le mur. Laisse-moi faire mon lit. Je vous laisse faire mon lit. Je leur laisse faire leur lit aussi. Les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça, la liberté. Et là, comment ça va de la gueule, hein? Ça va la gueule, ma tatouille là. J'ai la dalle, j'ai pas mangé de la journée. C'est pas toi. J'ai pas mangé de la journée. J'étais bossé hier à 11h. J'ai fait quelques courses et là je suis à la maison. J'ai acheté un miel, frère. C'est que des morceaux dedans, c'est un truc de ouf, j'ai le seum. Moi je voulais que ça soit. Je pensais que ça allait être liquide après. Mais ça reste en morceaux. Quand tu t'en prends un morceau, une cuillère. Ça te râpe la gorge, t'as l'impression que c'est du sucre, frère. C'est du miel, ils ont mis du sucre dedans, c'est bâtard, quoi. Pourquoi c'est comme ça, ça fait des morceaux comme ça, ça me rend ouf, ça. Bon, ma ratatouille, elle est belle. Dis-moi si elle est belle, ma ratatouille. Dites-moi si elle est belle, là. Hein? Tu vas voir, là, ça sera pas des gros morceaux comme ça, parce qu'ils vont fondre après, tu vois. Mais j'en suis sûr qu'elle va être bonne. J'en suis sûr qu'elle va être bonne. Aussi bonne que moi, mec. Le citron là, il est mort, lui. Poubelle. Le citron là, il est bon. On le garde. Dire que tu rinces les mains 10 fois, frérot. 10 fois, frérot, tu rinces les mains. Je sais pas si c'est bon, si j'ai le droit. Puis j'ai trouvé un hectare de pêche-poire. Poire, j'ai dit quoi? Pêche-poire? Eh, la poire et la pêche, frère, c'est des frites de la vie, mec. Il manque juste de la cerise en plus. Oh là là. Mais la pêche-poire, frère. Mais les bâtards, en fait, j'ai vu quoi? Pêche-poire, mais il y a combien? Attends. Leader Price, ils étaient à Franprix. Leader Price, ils étaient prêts à Franprix. Nectar, pêche-poire, d'accord? Et il y a quoi que 50% en teneur de fruits, frère?
en fait, parce que je pensais avoir un bon goût de nectar. En fait, il y a plus d'eau que du nectar, que du fruit, quoi. Tu m'étonnes, t'as vu les prix des pêches et des poires, là? Ah, c'est quand même meilleur que l'huile d'olive. Oh non, c'est pas de l'orange, parce qu'on dit quand t'es malade, t'as la crève ou quoi, il faut surtout pas, mais surtout pas, boire de l'orange. Parce que ça te garde tes mauvais microbes. Et vrai, frère, tu restes malade encore une semaine. Moi, j'ai pris de la pêche poire. C'est pas de l'orange. Déjà, l'orange, je suis pas fan, à part le fruit direct. Mais je suis d'orange, je suis malade, je fais pas mal, je suis d'orange trop. Malade, toi. Bon. Ma tatouille chauffe au calme. Il faut secouer ton tantin. T'es la faire danser, tu vois. Cassandre, c'est la fête, quoi. C'est la fiesta. Le jus est en train de monter. Les légumes sont en train de descendre. Ça, on peut le ranger et se laver. Tu vois, j'ai fait de la cuisine, frère. J'ai fait la cuisine, d'accord. La casserole, c'est pas à moi, d'accord. J'ai coupé des légumes et tout, il y a quoi? Tout est propre, frère. C'est ça, quand t'as un cuistot. Tu cuisines, tu laves, tu ranges, tu t'organises. Tu n'as pas besoin d'être 13 pour être organisé, frère. Juste tout seul, déjà, organise-toi tout seul. Cuillère, je vais laisser en cas de galère pour tout à l'heure si j'ai besoin d'une petite cuillère pour goûter. Tu vois, t'es goût. Bon, j'ai cassé dans mon sac à dos, j'ai le seum, mais c'est pas grave, ils sont encore bons. Hein. Pas pour autant qu'on va les jeter. Hein. On va te manger un jour, on te mangera un jour. Ah, sur la route, j'ai vu un magasin américain, ils vendaient des céréales, des bars et tout. Plein de produits, des pots pour cacahuètes, des trucs genre je sais pas quoi, genre marshmallow mais dans des gros pots, tu vois. Et là j'ai vu quoi moi ça, des macaroni cheese. En fait dans plein de films américains souvent j'en ai entendu parler, ils disaient waouh c'est une dinguerie, c'est bon, bon là c'est pas de chez les autres, mais je vais voir à peu près à quoi ça va ressembler d'ici un ou deux jours, je vais le faire. Faire frère, et si tu veux tu viendras manger avec moi si tu veux. Bon, la batterie la charge un peu là, non pas trop, parce que frère, elle a pas de quoi. J'ai essayé ça là, c'est spray nasal pour le nez là aux huiles essentielles, et puis ça tu vois, parce qu'en fait j'en avais marre de prendre des cachetons, tout ça, des ceci de cela. Et là, moi, c'est des trucs naturels. Pas trop que ça me fait trop d'effet, j'ai l'impression, je sais pas. Je trouve que c'est light. Ils me disent qu'il faut que je fasse ça pendant 10 jours, frère. D'où t'as un traitement qui dure 10 jours quand t'as un rhume, en général, c'est 5 jours, je crois. 5 ou 7 jours. Là, il me dit pendant 10 jours, tu prends ça. Je dis, j'en ai plus dans 10 jours, je fais comment? Je leur achète encore une boîte. Non, c'est malade. Malade. Mais bon, on verra quand j'ai fini ma petite cure, on verra si ça vaut vraiment quelque chose de pas, et puis je vous en parlerai, ok. Coucou les coquettes, pour ceux qui viennent d'arriver là, regardez, j'étais en train de préparer, vous avez loupé là, c'est quoi ce bordel, vous avez loupé, j'étais en train de préparer une magnifique ratatouille, mais pour l'instant elle est là, elle est en train de cuire, hein, elle n'est pas magnifique là, hein, elle est magnifique, tomate, oignon, ail, avec aubergine, poivron, coulis de tomate et courgette avec sauce tokmam. J'ai pas mis du poivre, j'ai pas mis de sel, j'ai mis du sauce tokmam. Ça remplace le sel un peu, tu vois, dans la cuisine asiatique. Et j'ai mis du gros poivre, tu vois, bien fort, avec un peu de piment.
Ah ouais, et puis une petite touche d'huile d'olive que je viens d'acheter, quoi. Voilà, calme, quoi. Franchement, juste ça comme ça. Ah oui, j'ai mis un petit peu de bouillon de poule pour ajouter une petite goutte de magique, tu vois. C'est magique. En plus, c'est magique, je crois. C'est pas magique, ça? Ah non, c'est pas magique. Des fois, c'est magique, mais là, c'est pas magique. C'est... Jean-Lantan. C'est aussi bon, mec. Là, moi, c'est du vrai bouillon. L'autre, il est... Non, en vrai, de vrai, c'est les mêmes. C'est équivalent. Après, ça peut te tester. Tu kiffes pas. Hein, tu sais, les goûts, les couleurs. Hein. C'est comme salé, sucré. Il y en a, ils aiment salé, sucré. Il y en a, ils aiment que sucré. L'autre, pas sucré. Ça, pour moi, c'est des emmerdeurs. Pour information pour tout le monde, hein, pour toi aussi, hein, t'as capté? Il y a personne, frère, il est fou, il est habité. Ouais, j'ai fait une chaîne YouTube. Ouais, YouTube, ouais. Et elle s'appelle Dingue. Genre, il est dingue, ce mec. Et Dingue, Ri, R-I-Z. Dingue, Ri, R-I-Z. Il y a plein de vidéos, du tout n'importe quoi. Et il y a des petits tutos, parce que moi je fais des travaux. Je commence à faire des tutos maintenant. Je les mets dedans de temps en temps. Remettre de grand-mère, je l'ai fait. J'ai fait comment monter un meuble IKEA, comment poser du papier peint ou de la toile de verre. J'ai fait ça. Après, je fais des petites vidéos de danse, parce que j'aime danser, tu vois. Après, des petites des conneries avec des potes ou quoi, ça dépend. Ce qui me passe par la tête des fois, tu vois, un point de folie, quoi. Ouais, voilà, quoi. C'est plutôt du divertissement. Plus, il y a des recommandations par rapport à certains produits que je vais kiffer. Je vais dire, tiens, pour moi, ça me plaît. Toi, essaye si t'en as envie ou pas. Je prépare des plats, souvent, je fais des petits plats, des fois des vidéos quand je cuisine, tu vois. Apparemment, ça, ils aiment bien quand tu fais des plats, des vidéos quand tu cuisines, là, tu fais bien voir tout. C'est pas mal. Bon, il n'y a pas ouf de vues, mais faites partager, liker, ça fera plaisir. Et puis si on se croise, on se fait une bouffe, quoi. Hein? Dehors, même chez moi, je peu importe. Avec ce que j'ai chez moi, ou on achète un truc vite fait, on se dit, tiens, allez, prends ça, et vas-y, fais-nous un plat avec ça. Dingue, mec. T'as capté? Voilà, c'est franchement là, ça fait un petit moment que je tousse pas là, depuis que je suis rentré, peut-être parce que j'ai plus du jus, ça m'a fait du bien, et peut-être aussi ça là. Ah, c'est moins gras, moins fort. Et même quand j'étais dans le... Ah ouais, j'aime pas quand je suis pas rasé là, comme ça. En plus, il y a un star qui a poussé là, pourquoi j'ai touché tout à l'heure. Pourquoi tu touches Chris? On te dit de pas y toucher. Et tu touches là. C'est ça. C'est comme un sale gamin, frère. On dit fais pas ça, tu vas le faire, frère. Il faut pas dire fais pas ça. Dis rien. Fais. Genre tu vois qu'il va faire quelque chose, la connerie, là. Tu dis pas fais pas ça. Tu regardes, fais. Ah lui va comprendre qu'il faut pas le faire. Il va dire ouais non, là, si je le fais, je suis en danger là. C'est comme le Renault, ils font. Ils savent que faut pas le faire. C'est que essaye et je vais t'en mettre une, tu vas capter quoi. Bon, dimanche, la bouffe est en train de chauffer. J'ai pas encore mangé, là ça s'est calmé. Mais comment je vais avoir faim, je vais casser tout ça. T'es caché, ah ouais, je vais taper les 4 si t'es caché là. Non, je vais pas taper les 4, mais. Oh, regarde comme c'est magnifique. Que c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, arrête. Dis-le, pose un like. Tu en poses un ou t'en poses pas?
Yo. Je sais même pas s'il y a quelqu'un ou pas là, je comprends pas où on voit s'il y a du monde ou pas là. Issa, Agathe, à rejoindre, vas-y. Balance, y'a qui, balance tes infos. Vas-y, balance tes potes là, pour caveler. Tu peux mettre le disque. J'ai tellement de bordel, sinon j'aurais senti le banc un peu. Non, j'ai trop de bordel, je peux pas utiliser le bon mec. Tu tiens pas trop. Lui tenait tout à l'heure au calme. Mais là, il veut pas tenir, il veut m'emmerder là. Hein? Tu veux m'emmerder, tu veux pas tenir là. Hein? Tu veux pas tenir, mais tu tiens, est-ce que tu tiens ta vie? Est-ce que tu tiens ta vie? Oh mon fuck. Que c'est joli.
c'est quoi ça? Charles, Canis à 50 000. Canis, c'est quoi de mieux? Gagner 50 000 euros sous forme de chèque. 50 des trucs, tu vois. Tu vas leur envoyer, ils vont te envoyer. Viens les mails, viens les compagnies. Ouais, ceci, on propose ça, c'est que ça, ça aussi. Ouais, mais ça. Tu peux mettre là, Tata, hein, si tu veux. La boîte là. Mettre quoi? Qui? C'était caché? La viande? C'est du bœuf? La viande, du bœuf, du bœuf? Bœuf. Ah oui, hein, c'est du bœuf ça. Bœuf. De quoi ça? Un porc. Porc? Oui, c'est du bœuf là, c'est pas du porc. Ah, la fois j'ai mangé du porc, c'est à cause de ça que j'ai mal à la gorge encore. Hein? Aujourd'hui? Oui. Oui? À 11h, j'ai travaillé tout à l'heure là. T'as pas vu, je suis parti presque toute la journée? Je suis parti 11h, 10h. Vers les 10h. Je suis parti voir le scooter à Stéphanie aussi, elle a eu accident de moto. Stéphanie, accident en scooter. Non? Oui? Où? Accident où? Non. À côté de travail, à Stéphanie. Stéphanie, accident en moto. Moi, je vais te voir si ça allait, ça va. Stéphanie, ça va? Oui, elle a mal à la cheville, comme ça. Et ici, comme ça aussi. Yeah. Elle est boum, tombée. Top. Moto, hein? Bah oui. C'est la deuxième fois. Hein. Deuxième fois. La première fois, c'est Vietnam. Moto Vietnam, là-bas, elle est tombée. Elle est tombée, accident au Vietnam ou scooter, là-bas? Non. Si, demande à tonton, il va te dire. Tonton. Stéphanie, elle a eu accident au moto au Vietnam. Vietnam, hein? Oui. Elle est Vietnam, là. Combien hier, là? Elle avait location, elle a loué moto. Et bam, elle est tombée. Demande à tonton, ici. Rồi làm sao? Rồi bébé. 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 Non, bébé il est à la maison. À la maison. Ah non, bébé il va pas sur la moto. Ah non. Con con bé nó có gì mà chồng nó gì cái bằng Marie của nó. Marie. Son mari? Il était à la maison avec bébé. Oh là là. Ouais. Hôpital, hay là ở maison. Hôpital, là, hôpital. Et la maison, c'est bon là. La maison là. Ah oui. Hein. Dangereux hein, moto scooter. Hein. Surtout quand il pleut là. C'est parce qu'il pleut, c'était mouillé. La glisse.
Yo, mais y'a personne là, non? Y'a personne? Bon, bah allez. Ciao, ciao.